Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très 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 bien, je dois dire. Donc, comme d'habitude, je vais dire bonjour aux personnes qui sont là. Vous êtes pour l'instant une vingtaine. Nous allons voir si il y aura plus de monde à nous rejoindre. Ça pourrait être sympathique. Yossi est là. Hope Johnson est avec nous. Sundar est là. Indrani est là aussi. Sundar aussi. Alama est là. Victoria Jacques est là. Tenzin est là. Gourav est là. Maria Betania est là. Noura est là aussi qui dit bonjour. Barthi est là, Maria Fernandez est avec nous, Yesero est arrivé aussi, I Just Called est là, Tenzin nous a rejoint, Save the Best aussi, Sapna, eh ben écoutez, Liliana aussi nous rejoint, ben écoutez, on va voir combien de personnes nous vont nous rejoindre, Ritem est aussi avec nous, écoutez, nous allons commencer aujourd'hui encore une fois. Nous allons changer un petit peu de formule. Nous allons faire la même formule qu'hier, c'est-à-dire qu'on va faire un seul gros exercice qui sera principalement lié au fait de trouver des mots dans les phrases en français. Alors, on peut commencer tout de suite si vous voulez. Et nous allons commencer maintenant. Allez. Alors, comme d'habitude, l'exercice est assez classique. Vous trouvez, il y a une phrase en anglais et une phrase en français. Et dans la phrase en français, il manque un mot. Écrivez-moi, s'il vous plaît, le mot qui manque. Alors, dans cette phrase ici, nous étions effectivement, comme vous l'avez trouvé, à la recherche d'un adjectif. L'adjectif, eh bien, c'est nouveau. Téléphone est masculin, donc on doit utiliser en fait l'adjectif au masculin et la forme basique, c'est nouveau, N-O-U-V-E-A-U. Il m'a acheté un nouveau téléphone. Allez, deuxième phrase, j'attends votre réponse. Alors là, effectivement, nous étions donc à la recherche d'un pays, et ce pays, c'est la Suisse. Regardez comment on l'écrit, S-U-I-S-S-E. Et vous voyez ici que c'est féminin, puisque la préposition que nous utilisons, c'est « en ». J'habite en
Suisse. Allez, on continue. Alors, je remarque beaucoup d'hésitation. Regardez, regardez. Hina, c'est bon. Victoria, Jacques, c'est bon aussi. La Bosnie-Herzégovine est un pays. Et comme c'est un pays, eh bien, vous allez avoir trois possibilités. En, si c'est féminin. O, si c'est masculin. Et O, A, U, X, si c'est pluriel. Ici, comme une grande partie des pays, et en tout cas les pays qui finissent avec un E, eh bien, sont des pays féminins. Il y a, comme d'habitude, quelques exceptions, mais donc la préposition qu'on utilise pour les pays féminins, c'est en. En Bosnie-Herzégovine, on avait la Suisse, c'était la même chose, en Suisse, en France, en Espagne, en Italie, etc. Donc ici, c'est bien la préposition « en ». Allez, on regarde la phrase suivante. Alors ici, l'idée, c'est d'utiliser « plus ». Et souvenez-vous que « plus », quand on l'utilise dans ce contexte-là, c'est-à-dire une sorte de négation absolue, eh bien, on doit automatiquement utiliser « ne ». « Je ne » et après « plus ». Et entre les deux, bien sûr, vous avez le pronom « y » et puis votre verbe « croyait ». Je n'y croyais plus. Allez, regardons la phrase suivante.
Alors là, effectivement, nous étions à la recherche d'une préposition. Et la préposition, eh bien, c'est de. Je l'ai appris de toi. Écoutez, pour le moment, ce que je vois, c'est correct. Attention, Tenzin, ce n'est pas avec, mais c'est vraiment de. Continuons. Alors là, c'est effectivement une formalité puisque le mot existe dans les deux langues et c'est exactement la même orthographe. Je ne comprendrai pas votre question. Allez, nous continuons avec la phrase suivante. Alors là, effectivement, c'est pour que toutes les personnes ayant des niveaux différents puissent en profiter. C'était juste la deuxième partie de la négation, pas. Par contre, c'est intéressant, souvenez-vous que on utilise savoir ici, hein, savoir nager. Hein, on n'utilise pas le verbe connaître, on en a déjà parlé. Regardons la suite. Alors, encore une fois, c'est un pays, et si vous regardez bien, bien précisément, vous voyez que Vietnam ne finit pas avec la voyelle E. Donc, il y a de fortes chances, c'est presque sûr que ce soit masculin. Si c'est masculin, on utilise effectivement O, on ne va pas utiliser en, puisque en, c'est pour les pays féminins. Donc, j'habiterai, puisqu'ici c'est le conditionnel, au Vietnam.
Alors ici, eh bien, on était en train d'explorer l'expression avoir besoin. Et effectivement, la préposition c'est de. Avoir besoin de quelqu'un. Alors ici, on utilise le futur et c'est le futur du verbe avoir et c'est aura. Elle aura besoin de toi. On pourrait aussi utiliser un verbe après. Hein. Elle aura besoin de partir. Elle aura besoin de voyager. Dans toutes les situations, ici, on va utiliser la préposition de. Alors là, effectivement, c'est très très bien tout ce que je vois. Attention, Indrani, en fait, ici, l'idée c'est, ou en tout cas, l'expression c'est de temps en temps. Je fais la liaison, donc c'est en, d'accord? Donc on fait la liaison entre temps et en. De temps en. De temps en temps, d'accord? Elle m'appelle de temps en temps. Et voilà, c'est la fin de la première partie. J'espère que vous êtes prêts parce que nous continuons. Alors écoutez, tout ce que je vois pour le moment, c'est parfait. Donc effectivement, ici, on était à la recherche de la préposition dans, hein, pour bien, bien insister sur le fait que c'est à l'intérieur, hein, de sa voiture. Allez, nous continuons avec cette phrase. Alors, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que, effectivement, nous étions à la recherche du mot toujours. On l'écrit TOUJOURS. C'est très très bien écrit. Barthi, vous l'écrivez tout simplement merveilleusement. Maria Bethania, c'est bien. Tout le monde l'a très très bien écrit. Donc, merci beaucoup. On continue.
Apple, iOS est le premier, mais malheureusement, il fait une erreur. Sapna est en deuxième position et donne la bonne réponse. Alors regardez, parce qu'ici en fait, l'idée c'est de mettre le pronom complément d'objet direct. Ici c'est le complément d'objet direct qu'on veut mettre. Et donc comme dans la phrase en anglais, on vous indique que c'est le masculin, eh bien la seule possibilité ici c'est le. Si c'était féminin, ce serait la, mais ici c'est masculin. Souvenez-vous, le, c'est un pronom complément d'objet direct. C'est grammatical, ça peut être pour une personne, mais ça peut être pour un objet. C'est grammatical, il n'y a aucune différence entre le fait que ce soit un objet ou une personne, un être humain. Allez, on continue avec celle-là. Et c'est Sapna qui est en pleine forme puisque vous écrivez en premier pomme, c'est très bien, effectivement, POME, c'est féminin. Je regarde Tenzin, c'est pas vraiment une pomme de terre, attention, la pomme de terre c'est autre chose, ici c'est juste une pomme. Bon bah écoutez, félicitations, tout va très bien. Nous continuons avec la phrase suivante. Alors, cette fois-ci, c'est Barty qui nous donne ta. Alors, effectivement, je l'accepte ta. Yossi qui va aussi sur le ta. Sapna qui est plus puriste et qui nous donne les deux options, puisqu'effectivement, nous pourrions tout à fait utiliser votre. D'accord? Votre sœur est tout à fait acceptable. Ta sœur est acceptable. Donc ça dépend bien sûr de la façon dont vous parlez à la personne. Si vous tutoyez la personne, si vous utilisez le tu, ou si vous vouvoyez la personne et vous utilisez le vous. Alors effectivement, ici, nous étions à la recherche de que. Alors faites très attention avec le verbe penser, parce que le verbe penser est un petit peu difficile. Je pense que, après, vous aurez
l'indicatif. Et donc ici, vous avez le futur simple de l'indicatif. Si vous mettez le verbe à la forme négative, je ne pense pas que, après ça, vous devez mettre du subjonctif. Donc souvenez-vous, forme affirmative, je pense que, plus indicatif, je ne pense pas que, plus subjonctif. Alors, Yossi est le premier, mais malheureusement, il fait une petite erreur. MNM19 le suit, et là aussi, il y a une petite erreur. Sundar est en troisième position et donne la bonne réponse. Ici, c'est effectivement, encore une fois, un pronom complément d'objet direct. Souvenez-vous, c'est direct, c'est-à-dire voir les personnes. C'est direct, hein. Il n'y a pas de préposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, notre pronom complément d'objet direct, eh bien, c'est les. Je rêve de les voir ici. Souvenez-vous, hein, je vous ai dit, ici on utilise les parce que c'est un complément d'objet direct. Si c'est une personne, si c'est un animal, si c'est un objet, ça n'a aucune valeur. C'est-à-dire que quand on parle d'objet, c'est un objet grammatical. Donc, je rêve de le voir ici pour un homme. Je rêve de la voir ici pour une femme. Je rêve de les voir ici pour le pluriel. Pluriel masculin, pluriel féminin, pluriel mixte, c'est comme vous voulez, mais en tout cas c'est les. Et là, je dois dire que c'est formidable. Là, je suis un homme heureux. Bon, c'est très très bien. Effectivement, puisque le verbe parler, hein, c'est avec la préposition à. Et donc là, ça n'est pas un complément d'objet direct, mais c'est un complément d'objet indirect. Et donc, vous avez choisi vraiment là le bon pronom, puisque c'est lui. Souvenez-vous, c'est très très bizarre, mais en français, on utilise ce pronom lui, même si c'est une femme. D'accord ? Donc, le pronom lui, c'est bon de lui parler, eh bien, ça fonctionne si c'est un homme ou si c'est une femme. D'accord ? Donc, ça, c'est juste pour votre information. Nous continuons, on y va.
Et là, nous remarquons que Victoria Jacques se prépare et elle est prête à s'installer en France, puisque c'est ce qu'elle veut, et elle choisit effectivement les bons pronoms, les pronoms qui vont lui permettre de communiquer avec les Français quand elle va habiter en France. Ici, nous étions effectivement à la recherche du pronom en. Tout simplement parce que c'est souvent ce qu'on va dire. J'en veux davantage, j'en veux plus. Hein? Et donc effectivement ici c'est vraiment le pronom en qu'on va utiliser. Ice Cubes avait la bonne réponse aussi. Sapna également. Eh bien c'est bien, félicitations. C'était pas très très facile là, je sais. On continue. Il aussi demande si le comme pronom neutre irait. Pas vraiment, en tout cas pas vraiment dans le sens de la traduction. Le ce serait le it. Là, la notion c'était plutôt beaucoup plus générale. Un petit peu cette notion de partitif, c'est-à-dire que on n'a pas défini la quantité. Et dans la phrase en anglais aussi, on n'avait pas défini la quantité. Et c'est ça qui fait la différence. J'en veux, j'en voudrais. Il n'y a aucune notion de quantité, c'est-à-dire que vous en voulez. Hein, c'est toute cette notion avec, toute cette différence avec les pronoms. Je le veux, j'en veux un. Vous voyez, il y a des nuances qui sont subtiles, mais qui existent. Alors ici, eh bien, je crois que tout le monde était d'accord pour écrire beaucoup. Et effectivement, vous l'avez, bah, écoutez. Très très bien écrit. On continue avec la phrase suivante. Oh non, 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 c'est la fin de notre première partie. c'était le deuxième, je crois. Bah écoutez, on est très 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 efficace. Ça me fait plaisir. Donc on peut continuer si vous voulez. Allez, on continue, c'est la première phrase. Donc on a déjà fait 20 phrases, et ben on attaque la 21e. Alors ici, effectivement, on était à la recherche de rien. Tenzin, faites attention, vous avez mis les lettres dans le mauvais sens. Il ne se rappellera de rien. Le verbe, c'est se rappeler et c'est au futur. Nous sommes d'accord.
Alors là, effectivement, nous étions à la recherche de contre, hein, donc elles n'ont rien contre. Jusqu'à maintenant, tout ce que je vois, eh bien, c'est tout à fait correct. Félicitations. Alors faites très attention, puisqu'effectivement, souvent on hésite entre très et trop, mais c'est véritablement trop ici. Hein? C'est vraiment trop. TROP. Trop indique que c'est trop. C'est-à-dire que c'est plus ça n'est déjà pas raisonnable. Très, c'est excessif, c'est beaucoup. Donc ici, vraiment, on était à la recherche de trop ici. J'étais trop heureux et en plus, on fait une petite, petite liaison bien sympathique. J'étais trop heureux. Je sais qu'il met en majuscule maintenant. Tellement Yossi n'indique pas cette notion de quelque chose qui a dépassé les limites. Trop, c'est un petit peu quand vous dépassez les limites, c'est-à-dire que vous dépassez les limites de l'acceptable ou de ce qui est possible. Vous voyez? Tellement ne donne absolument pas cette notion-là. C'est-à-dire qu'avec tellement, on n'a aucun sentiment que vous avez dépassé des limites, que c'est trop. Et trop, c'est la fameuse expression. Alors, nous continuons avec le mot qu'on était en train de chercher, c'était l'heure, et merci Bickert, avec un magnifique S. Vous êtes obligé de mettre le S, Barty, parce que vous voyez que ami, c'est au pluriel, hein. Et comme c'est au pluriel, c'est ce qui détermine ici effectivement le fait que ça doit être au pluriel. Je jouais avec leurs amis. Alors, je regarde les autres. Non, j'ai l'impression que tout est bien. Faites attention, Suzanne B, ça n'était pas c'est, mais c'était leur ici. On y va. Alors, maintenant, nous étions effectivement à la recherche d'une préposition et c'est pour. Et là, je pense, je regarde et tout le monde a trouvé la bonne réponse. Donc, il n'y a pas de problème, on continue.
Alors ici, on est à la recherche effectivement de ne. Et ce qui est intéressant, c'est que j'anticipe, parce que je sais qu'Yossi va me poser la question. Si vous regardez, il n'y a pas de pas. On peut le voir dans certaines structures. Et le pas, finalement, et ça c'est intéressant, c'est-à-dire que le pas peut disparaître quand on veut que ce soit une forme soutenue. Donc un niveau de langage supérieur. Alors si vous réfléchissez à cette histoire de la négation, ne est pas. Quand le ne va partir, ça va être quand on l'utilise d'une façon beaucoup plus informelle. Et quand on va retirer le pas, eh bien, ce sera le contraire, c'est pour l'utiliser d'une façon encore plus formelle, plus soutenue. On le fait assez rarement, mais c'est possible. J'avais juste envie de vous montrer ça. Voilà, continuons. Au revoir, Margie. Sorry, I was explaining some things in French for the exercise, but it was nice to have you in the live. Thank you very much. Alors effectivement, Yossi m'a donné l'apostrophe et c'est gentil. Michel Chebet m'a donné l'apostrophe aussi. Nous sommes d'accord que ici, idéalement, vous allez mettre l'apostrophe parce que vous voyez que votre verbe commence avec le A. Ice Cubes a corrigé. Je dis bravo. Sundar a corrigé aussi. Attention, Maria Betania. Donc attention aux personnes qui ont mis eh bien le, puisque le E devrait disparaître. Et même si c'était là, hein, ça pourrait être là, mais le ou là, la voyelle doit automatiquement disparaître. Et donc finalement, vous obtenez L apostrophe. Je l'apprendrai de vous. Et vous voyez que apprendrait, c'est un magnifique conditionnel présent. Alors là, effectivement, la question c'était de savoir est-ce que idée c'est masculin ou c'est féminin? Eh bien, c'est féminin. Une idée, donc j'ai une idée. Alors faites attention avec les mots qui se terminent en e, accent aigu e. C'est pas systématique et ce n'est pas simple. Souvenez-vous qu'ici, eh ben, c'est féminin. Si vous regardez un autre mot comme musée, hein, musée, E, accent aigu, E à la fin, mais c'est masculin. Donc c'est toujours un petit peu complexe, mais ici c'est féminin, j'ai une idée.
Et c'est Yossi qui est en première position, suivi de Ice Cubes. Yesero suit. Michel est après. Sundar aussi. Bickert, c'est bien. Ice Cube, c'est parfait. Natalia, c'est très bien. Suzanne, c'est bien. Soykim, je dis bravo. MNM19, c'est très bien. Je ne sais pas si les autres sont en train de méditer. Alors, c'est effectivement propre. Donc, comme vous l'avez trouvé propre, propre, faites attention, c'est un adjectif un peu bizarre, puisque propre fait partie de ces adjectifs qui va changer de sens en fonction de sa place. Quand vous le mettez avant votre mot, comme ici, il aura sa propre maison. Donc, avant le mot, vous indiquez la propriété. C'est sa maison à lui, il est propriétaire. Si vous mettez l'adjectif après, il aura une maison propre. Là, vous voulez dire que la maison n'est pas sale. Donc faites très attention parce que la position de votre adjectif va clairement influer, sur le sens de votre phrase. Alors Ice Cube, ce qui dit intéressant, Ice Cube, si vous voulez, j'ai une liste. Et propre n'est pas le seul adjectif qui change de sens en fonction de sa position. Alors là, effectivement, nous étions à la recherche de tout simplement la deuxième partie de la négation. Et donc c'est pas PAS, hein, là c'est vraiment, on va dire, assez facile normalement. Et nous continuons, nous avons fait 30 phrases, nous attaquons la 31e. Alors là, il y a une réactivité incroyable et tout le monde effectivement a trouvé qui. Hein. Nous sommes d'accord que là, l'idée, c'était de mettre qui pour avoir tout simplement cette question qui vient dîner. Continuons.
Alors là, c'est la même chose, ça ne devait pas vous poser beaucoup de problèmes puisqu'on était à la recherche du mot hier. On l'écrit avec un H, mais bien sûr, on ne le prononce pas. Donc la prononciation, c'est vraiment hier, hein. Le ER, en fait, le E est ouvert. Hier, et on prononce le R final. Donc, il est venu pour nous voir hier. Alors là, c'est intéressant puisqu'effectivement, comme voilà, on utilise le verbe aimer. Hein, souvenez-vous, quand on utilise le verbe aimer, détester, globalement, tous les verbes qu'on va utiliser pour exprimer ce qu'on apprécie ou pas, eh bien, on va utiliser en général et presque systématiquement l'article défini. Donc ici, on devrait utiliser le, puisque surf, c'est masculin. J'aime le surf. J'aime le chocolat. J'aime la musique. J'aime la danse, etc., etc. Donc là, quand on utilise ça avec un substantif, parce que là, nous sommes d'accord, le mot surf, c'est le substantif, ça n'est pas le verbe. Donc quand on l'utilise avec un substantif, eh bien vous mettrez l'article défini. Alors effectivement, nous sommes à la recherche du mot santé. Santé, vous voyez que c'est un mot qui est féminin puisque notre adjectif bonne est au féminin. N'oubliez pas, puisque c'est important, que c'est également dans certaines régions, dans certaines familles, le mot qu'on utilise quand on va tout simplement trinquer avec des personnes. Donc, vous pouvez dire chin-chin ou vous pouvez dire santé. Et ça, c'est important de savoir ça pour avoir une bonne vie et être bien intégré en France. Alors là, on sent une hésitation, une fébrilité de votre côté, puisque la réactivité n'est pas aussi grande qu'habituellement. Regardez, ici, nous sommes à la recherche d'un pronom.
pronom. Et le pronom, c'est leur. On a volé à quelqu'un. Donc ici, c'est le pronom complément d'objet indirect. Imaginez, je vais transposer la phrase à la première personne. On m'a volé, c'est-à-dire on me a volé. Le me, mon e va disparaître et je mets l'apostrophe. On m'a volé mon portefeuille. On t'a volé ton portefeuille. On lui a volé son portefeuille. On nous a volé notre portefeuille. On vous a volé votre portefeuille. On leur a volé leur portefeuille. Et donc on était à la recherche du pronom complément d'objet indirect leur, L, E, U, R. Et là, on est d'accord que l'idée, c'est de combiner la préposition à avec l'article le. Et quand vous combinez les deux, vous obtenez la forme o. Oui, tout simplement parce que travail, c'est masculin. J'irai au travail. D'accord? Nous continuons. Alors ici, faites attention, parce qu'effectivement, l'idée, c'est d'utiliser le verbe manquer. C'est-à-dire que ici, l'idée, c'est elle manquait à ces personnes. À ces personnes, on va le remplacer par un pronom. Et donc, comme on le remplace par un pronom, ça doit être un pronom complément d'objet indirect. Et le pronom complément d'objet indirect, troisième personne du pluriel, c'est leur, L, E, U, R. D'accord? Donc si on fait la totalité, ce serait elle me manquait, elle te manquait, elle lui manquait, elle nous manquait, elle vous manquait, elle leur manquait. Down.
Alors effectivement, Yossi, c'est le premier, mais c'est une petite erreur qui est une petite erreur récurrente, Yossi. Faites attention, ici nous étions à la recherche effectivement d'un complément d'objet, mais direct, puisque c'est appeler quelqu'un. Et donc il n'y a pas de préposition à ici, c'est vraiment direct. Donc elle m'appelle, elle t'appelle, elle l'appelle, elle nous appelle, elle vous appelle, elle les appelle. Donc ici, c'est au passé composé, ça ne change pas grand-chose ici pour notre pronom. Elle l'a appelé. Ice Cubes, ouais. Le COD, il était là. Ouais, vous l'avez trouvé. Bravo, Ice Cubes. Félicitations. Alors là, apparemment, ça ne pose aucun problème puisque tout le monde me donne la bonne, le bon mot. Donc triste, triste, effectivement. Donc on l'utilise comme ça et on l'écrit TRISTE. Bah écoutez, normalement, là, je ne peux rien dire, je n'ai rien à ajouter. Et voilà, c'était l'émission numéro 45 depuis la reprise. Et il nous reste encore 5 émissions avant de changer de formule. Donc, bah en tout cas, c'était très agréable. Merci beaucoup. J'espère que vous allez passer une bonne journée, matinée, soirée ou nuit, et je vous donne rendez-vous demain si vous êtes libre, à la même heure et au même endroit. Merci beaucoup et à demain.